Les objets ont été ajoutés Samurai Edge, Axer d'armes, Mister Everywhere. Vous pouvez acheter tout ceci aux marchands dans le jeu principal. Trauma pack, les éléments suivants ont été ajoutés. Filtre, found, magnétophone de sauvegarde, musique de salle de sauvegarde, go tell on Drobby. Le contenu bonus suivant a été ajouté. Illustration des bonus, Difficulté a été ajoutée, mode de difficulté, village des ombres. Sélectionnable lorsque vous... C'est quoi le mode de difficulté, village des ombres? Voulez-vous regarder un résumé de l'histoire 7? Oui, oui, on va regarder. Oui, on va regarder. On va voir si j'ai bien suivi. Tout le monde est prêt, mesdames et messieurs? Tout le monde est prêt, on commence? Les popcorns sont prêts, mesdames et messieurs, pour bien prendre 10 kilos, les gars, hein, de graisse avec le confinement. Faire le plein de graisse pour cet été, les gars, pour avoir le summer body, vous êtes prêts? Ferry, 7 mois, Momo, 15 mois, Grey Fox, 10 mois, Norage, Twitch Prime, Joe Bonobo, 26 mois, Joker, Twitch Prime, Pachu, Roulinade, 10 mois, merci Ensu, Twitch Prime, Caritos, 2 mois, merci Streamax pour les 200 bits, Amishmi, Putain, je l'ai bien dit ton pseudo, waouh, 10 mois, Ferriz, 7 mois, Momo, 15 mois, merci les gars, bienvenue à tous, on est parti. Ok, par où commencer? Ethan! Je peux y voir. Mon nom, c'est Ethan, Ethan Winters. Cette histoire chez les Baker, ça s'est passé il y a 3 ans. Ils ont pris le même coq? J'étais à la recherche de ma femme disparue. Elle m'avait envoyé un email. Non. Elle me demandait d'aller la chercher. Et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. Ethan! J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle était plus la même. Trop clair, si j'appuie sur échappe, les gars, il se passe quoi? Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Je peux rien faire. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Les gens qui vivaient là ou... Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique. Mais qu'est-ce que c'est que ce coq, mec? Resident Sleep! Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. Est-ce que ça ira? Je suis très convaincant. Bah oui, c'est terminé. C'est pour ça qu'on joue au 8. Hein? La luminosité, on va le faire maintenant en fait. Tu permets? Mode HDR, il m'a dit non. Oh putain, là il a mis oui. Vous voyez une diff? Dépêche-toi Locke, je prends le temps que j'ai envie. ZQSD? Non, j'en reviens pas. Je crois t'as un problème de micro-no-troll. Nimox, 300 bits, merci mon vieux. T'es prêt à prendre un time-out? Mon micro sature un peu? Ah, ça doit être le jeu. Mais le jeu, il n'utilise pas de micro. L'audio, c'était bon? Sature un peu, ok. Je regarde ça tout de suite. Je regarde ça tout de suite. Je dois bien me tenir droit, les gars, parce que là, j'ai mal au dos. Comment je fais déjà pour régler un micro sur Windows 12, là? Putain. Il change toutes les 10 secondes. Alors, mon micro sature un petit peu. J'ai baissé mon micro à 80%. Ça devrait être bon, là. On est comment, là?
L'audio, non, l'audio, on va voir une game pour voir. C'est bien là? Je sature, oui ou merde? C'est tout bon? Vaclineur, merci, 15 mois, Rivers, 8 mois, Nimox, merci encore, Pierre, 2 mois, Corentin, 10 mois, Pizza Slayer, 5 mois, La Pète, 2 mois, Bibimen, 3 mois, Malou, Twitch Prime, bienvenue à toi, Lovey, Twitch, tiens, un vieil. Un peu FRR. Merci Holo Docteur pour les 300 bits, merci mon vieux. Ok. Allo, est-ce que je putain de sature? Allo! Pour les 300 bits, merci mon vieux. Allo! Ok. Allo, est-ce que je putain de sature? Allo! Ouais, quand je gagne, c'est normal de saturer. 300 bits, merci mon vieux. Allo! Ok. Allo, est-ce que je putain de sature? Allo! Ouais, quand je gagne, c'est normal de saturer. Ouais, mais là, sinon, je sature pas. Merci mon vieux. Allo! Ok. Allo, est-ce que non, je putain de sature? Tu satures pas, frérot, t'inquiète. Normal, t'inquiète. Ouais, mais là, sinon, je sature pas. C'est vrai qu'il est bizarre, il est éclaté mon micro en même temps. J'ai jamais vraiment pris le soin de mettre un. Tu satures pas, frérot, t'inquiète. Ouais, mais sinon je sature pas. Eh, j'ai jamais pris soin de prendre un autre micro. Il est éclaté mon micro en même temps. J'ai jamais pris soin. Je suis addict à l'USD. Tout le monde me dit, mais XLR, mais XLR. Ouais, mais tu satures. J'avoue, t'as vu tous les hipsters là qui utilisent leur micro XLR là. Eh, tu sais, ils ont besoin d'une table de mixage. Du coup, ils sont pris pour qui? David Guetta. C'est quoi ça? J'avoue, t'as vu tous les hipsters là qui utilisent leur micro XLR là. Mais c'est exactement ce que je disais. Moi, si j'apprends sur USB, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Tous ces gros news. Les hipsters là qui utilisent leur micro XLR là. Mais c'est exactement ce que je disais. Moi, si j'apprends sur USB, je comprends pas. Attends, survivre à l'impossible, il y a encore pire que hardcore? Magasin en ligne. Ça sert à quoi de me montrer le magasin en ligne, genre? Ça sert à quoi? Ah, il voulait me faire crasher ma cam. Ok, mesdames et messieurs, est-ce que tout le monde est prêt? Un conseil, pas trop de difficultés, c'est hardcore âpre. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Wow. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère et disparut entre les arbres. Les cris inquiets de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère. Ok, vote s'il vous plaît, normal ou hardcore? Est-ce que hardcore c'est vraiment genre déplaisant ou pas? Genre si c'est déplaisant les gars, genre c'est dur au point où c'est déplaisant les gars, je repasse en standard tu vois. Ah ouais, vraiment, là, tout le monde est en mode... Tout le monde était en mode, vas-y, joue en normal, hardcore. C'est beaucoup mieux. Ok. Plus en temps. Je suis obligé d'être F4. Et ma cam est buggée, tout est buggé dans ce putain de... Mec! J'ai hâte F4, les gars, j'étais obligé. Putain, c'est ouf, tout le monde me disait, vas-y, hardcore. Et maintenant, tout le monde me dit, vas-y, normal. La cam, je la réactive une fois le jeu lancé, les gars, d'accord? De toute façon, il faut que je débranche le bras. Ouais, ça, c'est vraiment un problème sur lequel il faut que je me penche, les gars. Faut vraiment que je me penche sur le problème. Go normal, Zubi. Bonsoir à tous. Joue normal, tu aimeras mieux le jeu, c'est plus plaisant. Ouais, mais on est des hardcore gamers. Qu'est-ce qui est plus difficile en hardcore? C'est juste il y a moins de balles. Si c'est ce que je vais décrire là, ok, c'est ce que j'appelle déplaisant. Moins de balles, tu meurs, tu te fais one tap plus vite, tu vois, tu meurs plus vite.
Et les monstres, à la rigueur, courent pas plus vite, à mon avis, ça change rien. À mon avis, c'est juste à moins de balles, tu trouves moins de trucs, et voilà, c'est juste ça. Genre, les monstres ne vont pas plus vite, les monstres ne vont pas, genre, tu sais. En fait, c'est ça le truc, c'est que le mode hardcore, à mon avis, il est là juste pour te ralentir, tu sais. Donc, c'est juste déplaisant alors. Voilà, et t'as moins de balles et du coup les mecs sont plus durs à tuer. Genre c'est bon, c'est juste une question de temps en fait. C'est pas une question de gameplay. En fait, ce que j'appellerais plus dur, c'est quand un boss par exemple, les gars, et ça c'est très important, un boss devient plus dur parce que du coup t'as moins de munitions. Ont plus des apostrophes HP. Et encore, ça je suis même pas sûr. J'en suis sûr que la difficulté des boss ne change pas. Qu'est-ce qu'il a l'affichage, les gars? Il faut que je réactive l'HDR, les gars. Je crois qu'il va se déactiver toutes les deux secondes, donc... Déplacer le curseur jusqu'à le motif soit à peine visible. Déplacer le curseur jusqu'à l'image de gauche disparaisse. C'est mieux là, chat. Je l'ai réglé que pour vous. Hein. Normal, c'est pas dur, les boss sont éclatés. Tu vas rouler sur le jeu, mais les gars, et c'est pas un jeu où tu roules de toute façon quoi qu'il arrive sur le jeu? C'est quoi le résultat du vote, les gars? Ennemi plus rapide. Attends, répète Bobby, t'as dit quoi? Tu veux plus de contenu, c'est ça? Kaobis, 5 mois, mon pote. LOLBibi, 8 mois. Melara, 10 mois. Répète Bobby, j'ai pas vu. Hardcore, c'est plus... J'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire, les débiles. En fait, quand vous faites une batterie de spam, faut faire 4 fois ce que vous faites. Hardcore est égal à plus la merde, d'accord. Ça c'est bien. Ça c'est. Tu fais une batterie de spam, tu peux pas genre juste mettre une batterie de spam qui a mon attention. Et ensuite la deuxième elle est pour que je la puisse la lire. La troisième c'est par sécurité au cas où si je l'ai pas lu. Ok. Une batterie de spam c'est quand tu prends l'intégralité de mon écran. Ok. Le docteur, 200 bits, merci mon vieux. Normal, tu vas regretter. C'était quoi le vote, s'il vous plaît? Il y avait combien de pourcents sur standard et entre standard et hardcore? Parce que mec, quitte à aller en hardcore, je vais en village des ombres. Tu vois? Quitte à aller en hardcore, les gars, je vais village des ombres. Normal, 58%. En fait, t'as des gens, ils veulent voir le let's play, c'est ça le truc. Et il y en a d'autres, ils veulent me voir souffrir. En fait, c'est là où tu vois qu'il y a 42% du stream qui veut me voir souffrir et 58% des gens qui veulent rouler, tu vois. C'est quoi le vote, là? Ok, votez, mesdames et messieurs. Tout le monde vote, s'il vous plaît. Tout le monde vote. Ce sera le vote final. Et je choisirai, quoi qu'il arrive, le gagnant, là. Normal, les gars, Squeezie? Non, Squeezie, on m'a dit qu'il a fait en hardcore. Attends, Squeezie l'a regretté ou pas de l'avoir fait en standard? Dernier conseil, joue pas avec la difficulté au max, c'est vraiment pas plaisant, bon jeu. Oui, je sais, merci. Regarde-les, ils votent tous village des ombres. Les gars, vous allez tous quitter mon stream. Vous allez voir, je vais me faire spawn kill 50 fois. Vous allez faire c'est qui Snoob et vous allez partir. Hardcore, c'est vraiment dur sans réel plaisir. Hardcore, c'est dur sans réel plaisir, les gars. Bon, c'est standard qui a gagné, les gars. Attends, Squeezie, il a dit quoi? On va jamais y arriver. Squeezie, il a dit quoi, les gars? Il aurait dû le faire en hardcore ou pas? Est-ce qu'il a dit ça?
Squeezie, c'est un gros noob, les gars. Est-ce qu'il a galéré ou pas, ce gros noob? Arnaqueur en mode Village des Ombres, vous êtes juste 1000 trolls à avoir trop. Vous êtes 1000 trolls à avoir voté Village des Ombres, ok? Ok, je l'appelle. Il répondra pas, mais je l'appelle. Son avis tranchera, mais s'il me dit hardcore, je vais dire. Il répondra pas. Appel refusé. Fin de jeu. Fin de jeu, les gars, vous voyez? Donc, appel refusé, ça veut dire standard. Ok, je crois. Fucky Coconut, tier 1, Oriane, 11 mois, merci mon vieux. Sony Rise, 200 bits. Il me dit, c'est urgent. Je suis pas dispo, mais je lui dis quoi? Je dis, oui, c'est urgent. Attends, je vais lui poser la question. je lui dis ouais ouais c'est urgent. Et après il décroche le téléphone, je lui dis ouais. Non les gars, faut être là déjà il va voir la question, il va faire mais quel cuckland. Je vais dire oui c'est urgent, j'avais peut-être dû lui dire oui c'est urgent. Je suis trop respectueux les gars, je suis trop respectueux. C'est très urgent. Il m'a dit normal les gars. Hardcore, tu vas pas t'amuser. Il m'a dit hardcore, tu vas pas t'amuser, les gars. Fin de jeu. On est là pour s'amuser ou on est là pour souffrir? Dites-moi. Squeezie, il a chier. Mais Squeezie, les gars, il connaît le jeu vidéo. Ok, il est commercial. Il est commercial. Il m'a quand même dit, mais t'aimes le challenge, donc à toi de voir. Il m'a dit, régale-toi, ce jeu est superbe. Plus c'est dur, moins il y a de stuff et plus les mobs sont chiants. C'est juste de la durée de jeu chiante. Ouais, si c'est juste de la durée de jeu chiante, ça m'étonne pas. J'ai pas envie, ok? C'est juste de la durée de jeu chiante. Et c'est ça, ok, Resident Evil. Y a pas de challenge, à part dans les boss. Et alors, et c'est ça le truc, c'est que moi j'aimerais bien subir tout ça pour que les boss soient challenging. Mais ils seront pas challenging quoi qu'il arrive, les gars. Je tape des bottes. Ok? Je tape des bottes, les gars. Ok? On veut devoir souffrir, mais je fais Dark Souls après! Après Resident Evil, je refais les Dark Souls. Ok? Enfin, je fais les Dark Souls. Cancun, 5 mois. Oups, j'ai leak. Ok. On est bon, on y va, c'est bon. Allez, on y va, les gars. Bienvenue à tous dans ce let's play maintenant, incroyable. Plus tu en veux, grogna-t-elle. Mais attends. Maintenant, nous réclamons notre... Mais c'est pas la même cinématique. J'ai cliqué passer. Oh, le con, j'ai cliqué sur passer. On n'y arrivera pas, les gars. On n'y arrivera pas. Nouvelle partie standard. Allez, les gars, on y va. Il y a bien longtemps, une petite fille s'en alla avec sa mère cueillir des baies pour son père qui travaillait d'arrache-pied. Mais la forêt les accueillit avec un silence froid et pesant. Les buissons étaient vides. Déterminée à trouver des baies, la petite canaille lâcha la main de sa mère. Et disparu. Déjà, les voix sont tellement mieux, les gars. Le plus inquiet de sa mère s'estompèrent rapidement à mesure que la fillette courait, s'enfonçant de plus en plus dans la forêt. Commençant à se sentir observée, elle se rappela les histoires effrayantes que lui contait sa mère, et sa gorge devint toute sèche. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. « Viens, mon enfant, étanche ta soif, » dit-il. Elle but son sang noir et épais et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière,
Des nuages menaçants recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparut, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. « Viens, mon enfant, réchauffe-toi, » dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Stylé ! Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la faim resserra son emprise et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut et lui offrit l'une de ses nageoires. « Viens, mon enfant, remplis ton estomac !» La fillette mangea et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Je suis pris dedans. Un destrier de fer apparut, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand ça y pensait à l'histoire de Harry Potter, exactement. Ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Avec la cape des ombres là et les trois trucs. Le cheval se mit en colère et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière, ténébreuse mais majestueuse. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. C'est elle qui a fait Ethan ! Un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. C'est elle qui crie Ethan ? C'est elle ? Ça y est. Elle dort. Mais qu'est-ce que tu racontes ça ? Flippante. Elle a que 6 mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un conte local. C'est elle ? Bah là, elle avait une voix nickel, hein. C'est sûr qu'elle comprend pas. Ethan ! On s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça, t'as oublié ? Ma mémoire fonctionne très bien. Ok, toi... T'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais comment il s'en est sorti, elle ? Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Je vais préparer une vie. Comment il s'en est sorti, en fait ? P passé en mode photo. Tout va bien. Oh ! Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je peux pas lui en vouloir. Merci, Gwyn, pour... Tu as dit quelque chose ? Gwyn, pour les 5 subs. Je vais la coucher. Ok, c'est parti, les Easter Egg Hunters. Ça a pris du temps de fou de choisir ses lingettes. Ah putain, m'en parle même pas. Ils vont enlever mon bébé, c'est ça, cette fois ? Non, mais frérot... Il y a écrit quoi là en haut là ? C'était écrit quoi les gars ? C'était la prédiction ? J'ai fouillé les gars. Qu'est-ce qui se passe là ? J'ai fail, t'inquiète. Ok, merci c'est frérot. J'ai la régie à distance les gars, on est seul à avoir une régie à distance. Encore un nouveau livre ? Quand tu seras grande, je te ferai goûter, d'accord ? Et voilà, et on est reparti avec la voix de mère. Quand tu seras grande, je te ferai goûter, voilà. Et voilà, on est reparti. Nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années. Nos goûts musicaux ont bien évolué avec ces années. Tu as faim ? Non ? Alors. Ah, t'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Elle, c'est un zombie, c'est sûr. Repas de rose. Noté. Ça, 6-2-7-2, noté.
Mia fait tout elle-même. Du coup, ces trucs s'entassent. Mia. Mia, mec. C'est Mia. Donc elle est pas morte. Oh putain, j'aime pas ce couloir, mec. Elle est creepy, cette maison. Putain, les gars, eh, vraiment, je suis content de pas avoir une maison creepy. C'est ouf parce que les maisons, tu sais, les anciennes maisons comme ça, tu sais, elles sont toujours creepy, quoi. Et y'a quoi dehors? Y'a rien? C'est le vide? Oh non, pas le moniteur du bébé, mec. Oh les gars, ça va être terrible. On va voir le bébé se faire enlever sur le moniteur de bébé. Oh les gars. En fait, c'est Harry Potter cette histoire. Quand il fera meilleur, on ira se promener. Ouais, quand il fera jour aussi, non? Fais moins de bruit. Je vérifie que la porte est fermée. Qui c'est qui vient de me parler là? Tais-toi, tais-toi. Appuie sur le ventre, je connais. Je l'ai dit à maman. T'appuies sur le ventre d'un bébé. Pour ce livre. On va passer en seconde liste s'il y a des spoils, les gars. Vraiment, genre, je vous jure. Faites pas les cons. C'est Bandef, hein. Un spoil. Maman et moi, on adore cette mélodie. Oh non. Une... Oh mec, tout ça, ça va se jouer tout seul, classico. Les médicaments numéro est sous traitement depuis l'incident. Qui c'est qui laisse couler l'eau là? J'entends l'eau là, qui c'est qui laisse couler l'eau? J'entends l'eau là. Gaspillage. Noobs. Je peux pas courir, sinon j'aurais déjà fait. Je sais pas pourquoi je garde ça. Faudrait que je m'en débarrasse, un de ces quatre. Ouais, je les ai tous eus. J'ai peur. Qui a une chambre comme ça, frérot? Va falloir que je nettoie tout ça avant que Rose fasse ses premiers pas. Fin de l'enquête de l'incident d'Ulvey. Les investigateurs, les émanations de gaz toxique survenues à Ulvey, Louisiane 2017, ont officiellement pris fin. 2017, c'était le premier opus, c'est ça? Gaz naturel accumulé dans les roches sédimentaires du sous-sol. Rappelons que cet incident a fait les victimes, Jacques Baker. C'était papa, ça! Et sa famille qui vivait. Ils ont couvert l'histoire! Ils ont couvert l'histoire! Jacques Baker, c'était papa! Dans le Resident Evil 7. Quant aux Winters, qui semblent être également présents sur les lieux, au moment de l'incident, on ignore toujours où ils se trouvent à l'heure actuelle. La zone a été intégralement fermée par les autorités qui estiment qu'il faudra au moins 10 ans avant qu'elle ne redevienne habitable. Ah, tu m'étonnes, frérot. Je me souviens de cette histoire. Bah non, mais t'as vu, ils sont même pas dans le... Ils sont dans le déni, là, mec. Ils sont même plus dans le souvenir, là, mon frérot. Easter egg. Regard historique sur l'architecture, château et donjon, l'Europe de l'Est, Georges, j'ai pas lu. Creepy. On y est presque, ma puce. La porte s'est ouverte toute seule. Oh mon dieu, mec. Et pourquoi ils couvrent les miroirs? Chat? Pourquoi ils couvrent les miroirs? Pourquoi ils mettent toujours un torchon sur le miroir? Avant le let's play, j'aimerais passer un message à tous les étudiants en cette fin d'année compliquée. On ne pense pas forcément à nous. Beaucoup cachent leur angoisse et restent dans le silence. N'hésitez surtout pas à communiquer. Parlez à vos proches ou vos amis si vous n'allez pas bien. Ne gâchez pas votre vie et celle des autres. Croyez en vous, ne lâchez rien et on arrivera tous à notre but quoi qu'il arrivera. Cœur sur vous, la commu et studentine. Bon let's play, les gars. Fuck les étudiants. Non, je rigole. Merci pour ce beau message, mec. T'es un amour. Merci pour les 200 bits. Moi. 11 mois. Le code, la code de Kir, 12 mois. Prey, 13 mois. Meliodas, 6 mois.
Gwynbane, merci encore pour les 5 subs. Ravniv, merci. 13 mois, mon pote. Comment ça, il n'y a pas le RTX, les gars? Ah oui, pour le miroir. Il n'y a pas le RTX sur le miroir. Tu crois, hey mec, tu crois que c'est pour ça qu'ils ont vraiment couvert? Tu crois qu'ils ont couvert parce qu'il n'y avait pas de RTX? Ferme-la un peu, j'essaie de regarder ma photothèque. Il n'y avait pas Instagram à cette époque-là. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Mais pourquoi il parle comme s'il savait qu'il allait se passer un truc? Tu te tais toi ou pas? On essaie de streamer ici. S'armer pour la survie, manuel d'utilisation des armes lourdes. Quoi? En situation de combat, par Joseph Kendo. S'armer, manuel d'utilisation d'armes lourdes. C'est quoi, il apprend à utiliser des bazookas maintenant? Et joue avec la poupée ou je te bute. Regarde. Coucou, petite rose. Rosemary Tice, 6 kilos. Pff, noobs. Oui, vu toucher, réflexe de base, aucun trouble apparent, les résultats des examens complémentaires, dépistage d'agents pathogènes, hôpital mémorial. Alors moi, je sais déjà l'histoire, tiens, je suis désolé de vous spoil. Je pense que le bébé est l'antivirus, du coup, de tout ça. Et du coup, il va se faire kidnapper parce que c'est l'antivirus, parce que moi, plus Mia, c'était un mec normal, plus infecté, ça a généré l'antivirus. Et je pense que je suis antivirus. 6 février 2021, on s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans et ça a fait sorte de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir consacrer à Rose. Rose, c'est ma fille, hein, que je m'en souvienne. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait. C'est normal, ça fait que 3 ans. Je sais que Mia n'aime pas en parler, mais est-ce qu'on peut vraiment tout oublier et faire comme si rien du tout, ça n'avait existé? Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant que parent, on lui doit bien cela, point, point, point. Je suis sûr que Mia est consciente, elle aussi, elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital si ce n'était pas le cas. On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Oh merde, c'est un zombie. Ok, je crois que j'ai tout vu. J'ai entendu un bruit. Vous êtes prêts, chat? Ça commence! Et voilà, mon ange. Sylvain, il se offert. Juju, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Elle est morte. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Oh, mais tais-toi, frérot. Mais il est sérieux, lui, ou quoi? À parler comme ça, mec. Merde, j'aurais pu faire toute la visite sans le bébé dans les mains. Ils sont mes fusils. Elle est où ma salle d'armement? Eh hey mec, honnêtement, il t'arrive un truc comme ça, t'es d'accord que t'as une salle d'armement, frérot, chez toi? Elle est monstrueuse, non? Genre, tu sais, t'as la salle de James Bond, t'appuies sur un bouton dans le four, là, et hop, t'as tout qui s'ouvre. Moi, il m'arrive un truc comme ça, mec, j'ai fusil à pompe sur tous les... Sous toutes les tables, il y a un Glock. Sous toutes les tables. Genre, là, table basse, fusil à pompe scotché en dessous de la table. Là, ici... Desert Eagle. Là, ici, Magnum 44. Ici, mitrailleuse AK-47. Ultra variable. Tiens, là, lance-flamme. Ça a été? Elle dort comme un bébé. Mais ça sent bon, ça, c'est quoi? Y a rien dans la louche. Aïe! C'est une chorba de légumes. Une recette locale. Waouh, tu t'adaptes vite, toi, hein, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu touches pas. Il faut vraiment que t'arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Chris qui nous amène ici, l'entraînement militaire... Tout s'est enchaîné si vite. Mais au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant... Mais elle est psychopathe, elle. Sérieusement? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane? Tout ça, c'est de l'histoire ancienne.
Franchement, je comprends pas pourquoi t'es si... Mia, baisse-toi. Ah ouais, donc... Mia! Et voilà pourquoi j'ai caché des Glock sous toutes les tables. Elle est encore en vie, t'inquiète. Hitman? Hitman X Resident Evil? Jason Bourne! Désolé, Ethan. Quoi? Tu sais, s'il y a des screamers sur ce jeu, c'est important. Oui, il y a des screamers, oui. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Chris Redfield qui vient de tuer ma meuf? Avance! Eh, hey, hey, parle-moi bien, je vois tes yeux. R.A.S. Rose? Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Nous l'avons. Qu'est-ce que vous foutez avec ma fille? Emmenez-le. Mais je qu'est-ce qu'il a, ce méchant? Ethan, non. Sortez-le d'ici. Mec, pourquoi il s'évanouit là en un coup de crosse alors que la grand-mère elle m'a tapé dessus avec des tentacules qui faisaient la taille d'un immeuble? Attends, mais c'est pas possible là! Pourquoi? Je suis où? Oui, docteur. Bonjour. Regardez bien. Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez. Fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète? Ah, elle savait. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles? Y a quelque chose que tu m'as pas dit? Vas-y, parle-moi. Merde. Faut que je réponde. C'est quoi mon travail? Mais attends, ils m'ont jeté dans les poubelles ou quoi? Ils m'ont jeté dans les poubelles! Putain! Attends, il s'est passé quoi là? Il y a un zombie qui a mon téléphone! Pas trop tôt! Où sont les taux? Vous avez le colis? De quoi est-ce que vous parlez? Où est Chris Redfield? Et Rose? Toujours sa lampe torche par contre, hein. Abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. Mais chope son arme et voilà, Maxi Cuck comme d'hab. Il y a des pas là, je vais suivre les pas. On va suivre les pas. Vous voulez que j'active le RTX? Je peux activer le RTX les gars, j'ai une bête de carte graphique hein.
RTX on, RTX off. Intermédiaire élevé. RTX maximum, les gars. Occlusion ambiante. Oui. Qualité des éclairages. Ah ouais, je m'en bats les couilles des FPS, non ? Reflets spatiaux élevés. Ok, ok, ok. Flou lumineux. Ça, je suis désolé, les gars. C'est l'enfer. Lens flare. Ouais, c'est stylé. Effet de grain. Non, profondeur de champ. Ça, c'est dégueu, par contre. Profondeur de champ. Mais je vais la laisser pour voir, ok ? RTX on, les gars. On s'est installé où, là ? En Norvège ? Mais qui va là, mec ? Flou lumineux, c'est magnifique, idiot. Putain. Vous avez entendu ? Défense de entrée. Ça y est, la première goutte de sang. Vous avez entendu ? J'entends des choses ! Je vois plus de bruit de pas. Il y a du sang, des corbeaux morts, il y a des corbeaux morts. Il y a des corbeaux morts partout. Poussez-vous les corbeaux morts. Il est pas mort lui. Finissez-le. Il est en train de balancer. C'est une alarme. J'entends des trucs. Je vois rien, j'entends des choses. Je vois rien, je vois un pont. De l'eau. Il y a sûrement des poissons morts, des poissons morts. Il y a un grillage et des poubelles. Il y a une cabane. Il y a un truc qui dépasse de la cabane. Des cochons. Du sang dans la cabane. Je rentre dans la cabane. Oh, un balai de sorcière. Je vais peut-être pouvoir m'envoler grâce à ça. Pourquoi le mec il fait encore le gars apeuré, tu sais, et qui... Il devrait pas, tu vois. C'est quoi ça? Il devrait pas avoir peur, tu vois. Je suis venu tester la canalisation, les gars. Je ne suis pas bien sûr si ça fonctionne bien. Des bottes. Imagine le mec qu'il arrive et il teste le robinet. Oh, c'est les mêmes médicaments que ma meuf. Vous voyez l'importance de fouiller? Il y a un mec là-dedans. C'est les mêmes médicaments que ma meuf. Ça se trouve, c'est ma meuf. Ça se trouve, c'est ma meuf. Mais oui, c'est ma meuf. Je sais que c'est ma meuf. Surprise! Tu peux mettre le capteur cardiaque. Non, ça sert à rien, frérot. Il bouge pas de 60. Genre, vraiment, le capteur cardiaque, il bouge pas de 60. Non! La vieille peau! C'est ma meuf qui habite ici. Genre, tous les moments où je fais genre je flippe pas, tu vois, genre, je fais genre. Je fais genre. Eh, vous voulez vraiment voir? Vous voulez vraiment voir? Attendez. Eh, c'est quoi? Vous me croyez pas, je vais mettre le capteur. Il est où mon capteur? Vous me croyez vraiment pas, les gars? Mon capteur, les gars, dans les jeux d'horreur, il bouge pas de 60. Ok? Genre, même dans un jumpscare, les gars, il monte à 68, tu vois. Genre, là, je le connais, mon capteur, je suis sportif. Il m'en faut plus, quoi, pour péter un câble. Ok, je le mets 68, regardez, le meilleur Avengers, les gars, il a pas peur. Et ça bouge pas, genre, ça sert à rien, tu vois. Tiens, je lis mes mails vite fait, là.
Voilà, hop, vous avez 0. Vous voyez, je suis mort. Je suis un zombie. Ok, je suis à 70. Et le problème en fait, c'est que ça. En fait, le problème du Capteur Galax, ça fait genre. Ça fait trop genre j'ai pas peur, tu vois. Et après, ça fait genre je fake, tu vois. Oula. Excusez-moi, attendez. Tiens, et du coup, quand je fais genre j'ai peur, bah vous y croyez plus parce que quand vous regardez mon capteur, il est là en mode mais il a pas eu peur ce con, qu'est-ce qu'il fait là, c'est un acteur, tu vois. Et ouais, les gars. Tu vois, genre ça quoi. Surprise! Oh, c'était Kara. Le jumpscare arrive dans 3, 2, 1. 59, je baisse, je suis en baisse. C'est la faillite les gars ici. C'est la faillite. Les devs les gars, je connais les devs. Je pourrais être un dev moi-même. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en haut? Quelqu'un est en train de courir! Laissez-moi sortir! Du sang par terre. Oh, tiens, encore du sang. Il y a un loup-garou qui s'est barré par là. Il était caché au niveau du toit, j'aurais dû le voir. Il était caché genre ici là, je pense. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Ok. Il fait jour. Z enjambé. Je suis à 58 les gars, what the fuck. C'est même pas sauce. Wow. RTX on. Ça c'est très Resident Evil, genre le... Je sais plus le combien, le 3 non ou le 4. Je sais plus. Ça fait très Resident Evil 3 ou 4, je sais plus lequel. Ouais c'est 4 ouais. Fais pas genre mec, t'es un soldat surentraîné mec. Oh non. Oh non, ils ont tué un cheval. Il y a un câble. Faut suivre le câble. Est-ce que la plomberie est bonne ici? Peut-être qu'ils sont sortis. Deuxième easter egg. Je trouve rien. La même soupe. Ok, il y a une liaison avec la soupe. Cette serrure pourrait être crochetée. Déjà, ça y est, on commence là. Vous avez vu? Il y a eu un taureau. Là, j'ai trouvé ma première arme, regardez. J'ai trouvé mon couteau ici. Des seringues, l'antidote, ramasse. J'ai entendu waf waf. Tu vois, c'est le problème. Et après, les gens, ils font ouais, mais il a pas vraiment peur, quoi. Ah, c'est pour descendre, ça. Ça c'est pour descendre. Oust. C'est mes poubelles. Il doit y avoir des trucs ici, attends. Avant de descendre, do not enter. Ok, donc il me faut un coupe-boulon aussi. Ok, donc on note, hein, on note.
coup de boulon. Les chiottes. Rien dans les chiottes. Allez, c'est bon. Il faut un objet. Ah, ok, il faut une manivelle. Manivelle, coupe-boulon. Crochetage. Des patates. Ça m'a l'air assez open world, hein. C'est un open world? Mais qu'est-ce que ça fait ici? Ah, la plomberie est toujours bonne ici, j'ai l'impression. J'ai entendu une tronçonneuse. Est-ce que la plomberie est bonne ici? Ah, y'a quelqu'un caché dedans, ça c'est sûr. Bon. Le camion est en marche. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ici? Des têtes de cheval. Cimetière. Et là on est à l'atelier. Ok. Merci Davis pour les 200 bits. Bonsoir BG. Alors ce début de jeu, un petit avis? Génial, génial. S'amuse comme des petits fous. Oh merde, y a des coqs. Ils vont me buter les coqs. Je peux modifier la FOV? Oui ou non, chat? Non, ok. Une lumière. C'est par ici, les gars. Je commence à avoir un peu mal au dos, donc il faut vraiment que je garde une posture correcte. J'ai peur, maman. Oh, j'ai trouvé mon couteau. Ok. Premier soin, donc je vais affronter mon premier ennemi ici. Je peux encore bloquer. Ah, cette fois il tape pas comme un double cuck, Lord, hein. Cette fois, il fait pas le double cuck. Donc, vous entendez la musique là? Ça, c'est le signal que tu vas te frapper. Forcément ici. Goûte la soupe. Goûte. On sait jamais s'il vit là, si t'as pas goûté sa soupe. Là, il est derrière le rideau. Vous êtes prêts? Surprise! Je vais passer en mode. Il a tiré! Qui êtes-vous? Qui vous envoie? Personne! Il y a eu un accident sur la route. Il m'a loupé quand même, le mec. Oh non! Ils arrivent! Qui ça? C'était quoi ce bruit? Vous avez un flingue? Quoi? Dites-moi que vous avez un flingue! Pourquoi? Gaspille pas la deuxième balle. C'est tout ce qui me reste. Prenez-le! Ah oui, prends le grenouille, ça. Bon, quand le vieux il se fait bouffer. Mais qu'est-ce sur quoi il tire? Vous allez me répondre! Mon fusil à pompe! Putain!
Le fusil à pompe tombe maintenant. Oh putain, je suis en train de descendre où là? Ah mais pourquoi je suis là? Bah ouais mais il m'a tiré. Il m'a tiré là et du coup c'est pas logique. 10 balles sur 10. Oh là là, c'est bon ça. Ok, j'ai le couteau ici. Très bien. Ok, donc faut faire gaffe les gars. Il est sûrement Among Us. C'est toi qui as le fusil à pompe? Ah non, c'est pas lui. Oh la vache. Il est là-dedans, les gars. Mais putain, c'est quoi cet endroit? Oh, il est là-bas au fond. Il est au fond. Hey, c'est ma main, ça! Là, encore la main gauche. Encore la main gauche. Encore la main gauche, les gars. Allez, on dégaine. Dégaine, dégaine. Ou on va se faire sauver la vie, le vieux. Mais c'est quoi ces lance-pipi, là? Comment je te flickshot, mon vieux? J'ai même pas besoin de bouger, en vrai. C'est quoi ce bordel? Donc 10 balles, 10 balles un mec, ok. Fusil à pompe! Coupe-boulon, nickel. Le vieux est équipé. Il me faudrait le fusil à pompe du mec, là. Il est passé dans le toit, là. Ah bah non, regardez. Faux raccord. Ah non, c'est bon. 11 balles. Oui, parce que j'ai loupé une balle, d'accord? Oui, oui. Après, le mec tapait des vieilles esquives, les gars. Fluide chimique, yes. Ça n'a pas changé. Plante, yes. Ok, le menu. Attends, mais c'est moi ou j'ai de l'inventaire, là, les gars? C'est moi ou j'ai de l'inventaire, attendez. Attends, c'est toujours aussi cancer là de bouger. C'est toujours aussi cancer de bouger un truc. Ok, je vois. Ok, ils savent toujours pas ce que c'est drag and drop, hein, Resident Evil, malheureusement. J'aurais peut-être essayé de le cutter lui. Tu vois, ça qui est dommage, c'est qu'on te file un gun assez rapidement aussi. Attends mec, j'en suis sûr, il y a moyen de récupérer le fusil à pompe du vieux. C'est dommage, il relève pas sa manche pour voir si elle est encore recousue sa main. Je suis bloqué, hein. Ah bah oui, je vais utiliser la photo de famille direct pour couper les boulons. Shift pour drag and drop. Oh merci mec. Pourquoi tu l'as time out? Pourquoi tu l'as time out, frérot? Il a rendu un service à l'humanité. Donc il y a des vampires. Ce sont des loups-garous et des vampires là pour le moment, ok? Là il y a un trigger, c'est sûr. À l'intérieur il y a un trigger aussi. Un trigger c'est quand tu passes une zone et que et qu'un ennemi apparaît.
suis en mode Call of Duty zombie là. Oh mais quel noob. Comme dans code. Mais vous êtes où? Ah, ils sont là. Ok frérot, t'es dans la merde. Vas-y, viens voir. Bon. Vas-y. Bim. Mais comment, mec? Comment je vous ai économisé des balles? Lâche cette main. Bon. La technique, c'est ça. Voilà. Crac, tu mets quelques balles. Crâne cristallisé. Hein? C'est un trésor, j'ai trouvé un trésor. 15 balles. En vrai, il fait pas tant que ça mal, hein, le mec. Ça y est. C'est fini. C'est fini, bien sûr que c'est fini. Je pense. S'il y a le moindre survivant, venez chez moi. Venez chez Louisa, la maison près des champs. Des survivants? Yes, Louisa! On va chez mamie Louisa, les gars. BG, attends, avec l'espace, tu peux te protéger normalement. Ah oui, c'est vrai, putain, j'oublie. Merci, mon vieux. Attends, c'est des mecs, là? Ça fait les thugs là. Tu fais le thug toi? C'est chez moi mon frère. Tu fais le thug? Non! Ah oui, c'est pour ça, ça empêche l'animation. Si je me protège, tu fais le thug? Tu fais le thug? Hop là! Comme sur World of Warcraft. 130 pièces! À toi! Non! J'ai oublié! Non! Je suis en vie, c'est bon, j'ai encore des veines! J'ai encore du sang! Ok, vas-y! Un coup! Hop là! Un coup! Ok, à ton tour, frérot! Un coup, double kill! Non! Il l'a eu! Ok, je vais les avoir. Oh, je suis encore en vie! Ça mérite un petit coup de gun, ça. Voilà, un coup! Protection! Je suis encore en vie! J'ai encore envie, les gars. Vous allez voir. J'ai encore envie. Ok. Je pense que je peux tous les avoir, les gars. Consultez la carte avec V. Ok. Attends, ne me dis pas qu'on en est là, hein. Ok, c'est bon. On va économiser des balles, regardez. Ça va être incroyable. C'est deux morts la prédiction. Et écoutez les gars, moi je m'en fous un peu de la prédiction en fait. Je m'entraîne là, vous voyez pas?
Faut que je m'infiltre. Ah, ils sont nombreux en fait. Mais en fait, c'est impossible. Ah, j'ai fait du bruit. Ramasse le feu à pompe. Ok. Vas-y, baby. Et merde. Hop là. Ils sont dans la merde. Je vais garder un coup. Garder un coup. Merde, j'ai plus de balles de pompe. Quoi? Mais j'ai pas ramassé les balles de pompe. Ok, à coup. Non, mais j'ai déjà oublié la protection. Ils sont partout. Ok, là, dans la porte. Il y en a de plus en plus. Ah, c'est des balles de fusil à pompe que j'ai. Cheater, power gamer. Cheater, power gamer. Ce n'est pas de la farine. Petit bouffon, va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une seconde, je recharge. Merci. Mais il m'a trickshot! Il m'a trickshot! Je suis en train de les farmer, ces noobs! Ok, des outils. J'entends des gros trucs là, j'entends des gros trucs. Ce n'est pas de la farine. Neuf balles. Mais comment je survis à ça, frérot? Comment? Softlock! Softlock, biatch! Je suis un guerrier, mon frérot! Hop là! Je suis un guerrier, mon frérot! Je suis un guerrier, mon frérot! Allez! Allez! Non! Oh! Allez, vas-y! Donne-moi tout ce que t'as. J't'ai hardcampé. J't'ai campé, mon vieux. J't'ai campé. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison de mort là? C'est plein de farine. Ok, je cours. Ok. J'ai pris une flèche. C'est tité. J'avais pas le choix de prendre une flèche. J'avais pas le choix là. Oh. Je suis en vie? Attends, je suis encore en vie, ça se trouve. La cavalerie arrive! La cavalerie est là, les gars! Et la cavalerie est là pour sauver!
Tu permets, excuse-moi, je vais prendre un petit peu de... Je prends une belle photo de ton profil, je trouve qu'il est vraiment sympa. Je vais rajouter un peu de vignettage. Très sympa, on va changer un peu de contraste. J'aimerais bien changer, attends, une seconde, je change l'intensité de ma lentille. On va mettre un petit cadre aussi. Très sympa, ça fait cinématique. On va mettre le logo du jeu aussi, parce qu'on est en hashtag ad. Tu permets si je le mets sur ton front? J'ai même pas pris la photo. C'est la bâtarde. Allez, bâtard. Shot, spoiler alert. C'est eux les gentils. Et il faut qu'on les aide, mais ça on le sait pas encore, donc c'est pour ça qu'on les tue. Ce sera loup-garou versus vampire. Voilà, c'est bon, j'ai déjà l'histoire. J'ai déjà l'histoire. Attendez. Eh, viens, on va rejoindre la sorcière.